Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour ma dernière vidéo. Vidéo pendant laquelle je suis allé pêcher sur deux endroits différents, toujours pour rechercher le brochet, la perche, le sandre, le silure. Ce qui a bien marché aujourd'hui, c'était particulièrement le brochet. Et en fait, le secret aujourd'hui pour que ça fonctionne, il fallait les chercher au fond. En fait, ce qui m'a donné cette indication, c'est que vous verrez, j'en ai fait un premier au jig. Et en fait, en le faisant en jig, j'ai vu qu'il était plein de sangsues, ce qui est une bonne indication pour nous dire que les poissons sont calés au fond. Et du coup, ce que j'ai fait après, j'ai pêché au leurre souple avec une bonne TP et j'ai gratté en ramenant tout doucement. Et ça a plutôt très très bien marché. Notamment le dernier là qui m'a fait un départ de fou, on aurait dit un silure. Écoutez, je vous laisse découvrir tout ça et puis je vous dis à la prochaine. Moi, c'est là que j'ai fait la perche, non? Non, c'était avant. Mais t'as pas fait de perche, toi? Une perche de combien? C'était là-bas. Ah, cool! Qu'est-ce que c'est? Un petit sandre, un petit brochet! Génial! Bravo! Comment, pourquoi c'est nul? C'est pas nul, c'est bien! Tiens, regarde-moi avec ton brochet! Yes! Eh oui, joli! Poisson! Ah, des crocs! Ah, des crocs! Ah, les boules, putain! Poisson. Voilà, cette fois-ci je l'ai. Voilà, allez. Yes. À mon avis, c'est un pike. Oh non, ah, petit pike. Ah, il est pris. Oh putain, regarde. Le pauvre. Mais si j'utilise des sous qu'il y a sur mon compte en banque. Oh, oh.
Oh. Ouais. Non, je sais pas, mais c'est plus gros quand même. Ça mange un peu. J'ai fait un petit brochet en arrivant et là j'ai encore un brochet. Oh. Oui, j'ai retourné une tranche, mais on est arrivé à midi et je pêche 30 minutes. C'est le deuxième que je fais, pareil. De quoi j'ai envie là? Oh! Attends. Je vais pas un petit bouton là-dessus. Je vais prendre les fillettes. Ah, des crocs! Des crocs. Et puis, qu'il allait falloir que je fasse un effort. Et je crois qu'en fait c'est mon nœud qui a lâché. Non. Avec le bad link, si. Si, ah, je suis dégueu. Si, c'est ça. Oh, poisson. Il m'a pris à la descente. Oh. Je pense pas qu'il soit très gros, mais vas-y, mets l'épisode à l'eau. Oh, déjà. Ah ouais. Putain, j'ai du mal quand même à le ramener. Mais il m'a pris à la descente et il m'a pris loin. Oh. Non, il est pas mal, je pense. Ah ouais. Hein? Ouais. Ouais. Vas-y. Ouh. Ah ouais, il est beau. Ah, il est joli. Ah, yes. Oh. Ah, j'ai plaisir celui-là. Il fait plaisir. Leur souple. C'est une très mauvaise idée. C'est quoi? Très mauvaise. Bon, viens, non, laisse tomber, c'est l'oiseau. Hmm, c'est l'oiseau. Ah mais non, mais t'es trop bête, tu vas perdre ton oiseau. Hmm. Il y a un oiseau sur l'eau. Ouais, ouais. Tu peux pas le perdre. Bah si. Tu seras obligé de couper. Non, il n'y a pas qu'une mauvaise idée. Regarde, c'est des crocs. Le canard. Oh. Oh, le glan. Ouais. C'est un glan. Il a mis ça. Ouais, je suis pas équipé pour. Hein. Bah, j'ai une pièce. Non, c'est pas ça, c'est la canne qu'on retrouve et la tresse. Oh, on ne peut pas qu'il croque, hein. Il faut travailler, hein. Ouais, ouais. Tu peux enlever ta canne? Je vais mettre là où il y a le trou. T'as le pisote, Marie? Petit leur soupe. C'est du 14. 14. 14 centaines? Eh ouais. Vas-y, mets là, le pisote à l'eau, il arrive. Non, mais bon, s'il est trop gros. Non, je suis pas sûr que ce soit un silure. C'est... Ouais, c'est pas un silure, ça. Ah si, c'est un petit silure. Ah ouais, c'est un silure. Ah non, c'est un gros broc. C'est un gros broc. Ouf. Non, c'est un gros broc. Vas-y, mets-le à l'eau, mets-le. Oh la dingue. Ah mais je l'ai harponné en fait. Wow, il est big. Oh, ça fait 4 ans ça. Ah ouais. Bien joué. T'as raison. T'as raison.